Ensemble, chevauchons. Par Robert Brooks. Maugrain. Le crépuscule. L'horizon nimbé de pourpre. La fraîcheur de la nuit s'insinuait, se mêlait aux filets de brume glacée qui se contorsionnaient autour de la nécropole. Maugrain. Le froid ne l'incommodait guère. C'était un désagrément réservé aux vivants. Généralissime Maugrain, que s'est-il passé? Au-delà du brouillard auréolant la forteresse volante d'Aquérus, Darion Maugrain pouvait admirer les îles brisées qui s'étendaient sous ses yeux. Les lueurs apaisantes de Suramar, la silhouette décharnée de la tombe de Sargeras, son halo gangréné désormais éteint. Au loin, le pic de Hauroch, aux sommets enneigés, scintillait d'un éclat orangé sous les derniers rayons du soleil. C'était un paysage dormant, paisible, empreint d'une profonde sérénité depuis la défaite de la Légion. Maugrain, êtes-vous toujours des nôtres ? Il sentit une lame fermement pressée contre sa nuque. Un simple geste du poignet et ses tourments prendraient fin. Darion Maugrain tourna la tête et affronta le regard de la femme qui tenait l'épée. « Pour le moment, » répondit-il calmement. « Comment puis-je en être certaine ?» répliqua sa lie blanche tête sans ciller, ses yeux luisants sous sa crinière de neige. Un orque et un humain se tenaient à ses côtés, sans chercher à intervenir. Voilà qui était sage de leur part. « Parce que... » reprit Maugrain. « Je m'apprête à vous demander de m'aider à tuer Bolvar Fordragon. » La présence dans l'esprit de Maugrain demeura parfaitement impassible. Cela le surprit, mais la réaction des trois autres l'intéressait davantage. Thoras Trollmore grimaça et baissa les yeux. Nazgrim marmonna un juron dans sa langue rugueuse et cracha par terre. Blanche-Tête se contenta de sourire et de baisser son arme. « Excellent. Quand j'étais vivante, je rêvais de tuer le roi Lich, » déclara-t-elle. « Toujours le mot pour rire, Blanche-Tête, » commenta Trollmore. Maugrain détourna le regard et contempla à nouveau les îles. Il s'autorisa à admirer une dernière fois ces terres paisibles, à savourer un ultime instant de quiétude. Puis il tourna le dos au paysage, le bannit de son esprit et barricada les reliquats de son âme. La quiétude ne l'aiderait pas aujourd'hui. Nous devons parler, mais seulement entre nous, les quatre cavaliers, reprit Maugrain avant de se tourner vers l'orque. Nazgrim, voulez-vous bien ? L'orque s'adressa aussitôt à l'équipage d'Aquérus et s'exclama avec toute la gouaille d'un serment d'instruction d'Orgrimmar. « Dégagez! Dégagez de là, tout de suite! Ne m'obligez pas à me répéter, sinon je vous... » Les serviteurs morts-vivants claudiquèrent docilement vers la sortie sous les exhortations de Nazgrim. Ceux d'entre eux qui possédaient encore une étincelle d'intelligence avaient fini par s'habituer à sa surprenante façon de commander. Les autres, les décérébrés qui s'abattraient sur Azeroth tel un fléau sans l'influence des quatre cavaliers, obéissait infailliblement. Que les ordres soient hurlés, formulés d'une voix égale ou directement imposés à leur esprit. Maugrain laissa Nazgrim s'amuser. Il dégaina son épée, estampée de runes qu'il aurait qualifiées d'impies de son vivant, et la déposa sur la surface lisse d'une table de commandement, non loin de la fenêtre. Les autres cavaliers le rejoignirent, bientôt imité par Nazgrim. Les yeux luisants de l'orque pétillaient d'amusement. La non-mort dépouillait un être de certaines parties de son âme, et Nazgrim avait toujours semblé reconnaissant d'avoir conservé son goût pour l'autorité. Cela n'avait rien d'étonnant pour un ancien général.
Le silence s'abattit sur la salle. Même si les quatre cavaliers s'étaient suffisamment isolés pour qu'on ne puisse entendre leur conversation, cela ne la rendait pas moins dangereuse. Si Bolvar décidait de les écouter en se servant de sa présence, Maugrain doutait d'être en capacité de s'y opposer. Bon sang, Bolvar. Pourquoi avoir refusé de dévoiler vos intentions ? Maugrain baissa les yeux vers Salam, rassemblant ses pensées. Avez-vous ressenti l'influence du roi Lich aujourd'hui ? Les questionna-t-il, pensant à sa présence ? Des ordres ? Des émotions ? Quoi que ce soit ? Les trois autres échangèrent un regard inquiet. Trollmore fut le premier à répondre. Rien. Peut-être un soupçon de colère. Puis le silence. Nazgrim et Blanchetête acquiescèrent. Maugrain ferma les yeux. Et que sentez-vous à présent ? Rien. Concéda aussitôt Blanchetête. Essayez encore. L'encouragea Maugrain. Essayez de percevoir un signe du roi Lich. Cherchez son esprit. L'ancienne inquisitrice l'interrogea du regard, puis tous l'imitèrent et se concentrèrent ainsi pendant plusieurs minutes. Toujours rien, finit par admettre Nazgrim. En est-il de même pour vous ? S'enquit Maugrain auprès des deux autres, qui opinèrent. Dans ce cas, je vais vous raconter toute la vérité. Bolvar n'a répondu à aucune de mes questions quand je l'ai interrogé. J'ignore pourquoi il nous a isolés et ce qu'il prépare. J'ai exigé des explications, ou au moins qu'il me promette de continuer à lutter contre le pouvoir du Home. Mais il a refusé. Alors, Maugrain hésita. Je l'ai attaqué. Du moins, j'ai essayé. Mais il a aussitôt pris le contrôle de mon esprit et m'a forcé à revenir ici. Par ailleurs, il nous a pratiquement mis au défi de l'affronter, ensemble. Il n'est plus le Bolvar que nous avons juré de servir. Blanchetête ne souriait plus. Tous affichaient une mine sombre. Nazgrim plissa les yeux. Il a dominé votre esprit, puis vous a laissé repartir ? Oui, confirma Maugrain. Pourquoi ne pas vous détruire sur le champ ? Je n'en sais rien, admit-il sincèrement. Nazgrim marmonna quelque chose que Darion ne put saisir. Trollmore tapotait la table de ses doigts gantés. Le cliquetis métallique résonnait à travers la salle. Est-ce un piège ? Je l'ignore, reconnut Maugrain. Toute cette histoire est très étrange, déclara Trollmore. Bolvar sait que nous nourrissons des soupçons à son égard, et que nous ne nous laissons pas aisément intimider. Et voilà qu'il confirme nos pires craintes. Il est prêt à prendre le contrôle de nos esprits si nous osons exprimer notre désaccord. Mais Bolvar n'est pas idiot. Il agit forcément de façon délibérée. Un rictus méprisant étira les lèvres de Blanchetête. C'est une menace. Vous m'obéirez, que vous le vouliez ou non. Peut-être, reconnut Darion. Mais je n'en suis pas convaincu. Nazgrim marmonna un autre juron. Maugrain s'était douté qu'ils auraient du mal à l'accepter. Ils étaient les quatre cavaliers, les lieutenants les plus fidèles de l'homme qui retenait à lui seul une armée de morts-vivants. Mais aucun d'eux n'avait côtoyé Bolvar Fordragon aussi longtemps que Maugrain. Aucun d'eux n'avait vu la prison de glace de Bolvar de son vivant. Aucun d'eux n'avait passé des années à chercher, dans ce monde et dans un autre, un moyen de relever l'ancien paladin de ses terribles fonctions. Aucun d'eux ne connaissait l'extraordinaire étendue de la loyauté et de la détermination de Bolvar, ni n'avait assisté à la lente érosion de son esprit face à l'implacable puissance du Home. Maugrain avait vu sa corruption le ronger, jusqu'à ne plus entendre qu'un râle terne et transi de douleur dans sa voix.
Mais dès que les autres avaient été relevés pour devenir les quatre cavaliers, ils avaient partagé l'inquiétude de Darion. Tous craignaient que la décision de Bolvar d'utiliser le pouvoir du roi Lich pour combattre la Légion, même s'il n'avait éveillé qu'une fraction du véritable potentiel du Home, ait pu ouvrir une brèche que nul ne saurait refermer. Vous avez tous été choisis pour incarner les cavaliers de Bolvar en raison de votre indéfectible sens du devoir et de votre loyauté sans faille. Pourtant, je dois vous demander de commettre le plus terrible de tous les péchés, celui de la trahison. Je vous demande de tuer Bolvar Fordragon. Pas parce que nous ne connaissons ses plans, mais parce que ces derniers nous échappent. Je me suis juré de ne pas le laisser devenir le monstre qu'il a remplacé. Je dois donc agir, même si je n'ai aucune chance de réussir. Maugrain désigna la table et sa lame d'un geste de la main. Bolvar m'a prouvé aujourd'hui que je suis incapable de résister à son emprise. Si vous vous joignez à moi, gardez mon arme. Je ne suis plus digne de m'en servir. Leur verdict, implacable, tomba aussitôt. « Ramassez votre épée, Maugrain, » gronda Trollmor. « Nous aurons besoin de vous pour la bataille qui nous attend. » Nazgrim grogna son assentiment. « Nous savions que ce jour pourrait arriver. Nous chevaucherons avec vous. » Maugrain se tourna vers Blanchetête. « Et vous ?» L'ancienne inquisitrice se contenta de sourire. C'était donc décidé. J'aurais préféré m'acquitter seul de cette sinistre besogne. La mort avait dépouillé Maugrain et ses trois camarades du vibrant kaléidoscope des émotions des vivants. Ils ne pouvaient plus éprouver ni amour, ni joie, ni colère. Mais Darion avait combattu aux côtés de ses trois cavaliers face à la plus grande menace qu'Azeroth ait jamais connue. Au fil des batailles, il avait appris à admirer leur dévouement et leur constance. Le destin, le devoir, ou peut-être la chance avaient fait d'eux les quatre cavaliers du roi Lich. Ensemble, ils avaient souffert, combattu, vaincu. Ils avaient forgé un lien que seuls les soldats pouvaient comprendre. Et Maugrain allait mener ses camarades à leur perte. Cela ne faisait aucun doute. Quatre individus sous le joug du roi Lich n'avaient aucune chance de l'arrêter. Mais les trois autres le savaient également. Et ils n'avaient pas hésité une seconde à se rallier à lui. Un extrait du Libram de son père lui revint soudain en mémoire. « Mes frères, mes sœurs, joignez-vous à moi dans la bataille. » Joignez-vous à moi dans la victoire et, ensemble, chevauchons dans la lumière. Maugrain aurait tant voulu leur épargner ce combat sans espoir. Mais parce qu'il comprenait leur lien, il savait que c'était impossible, quelle qu'en soit l'issue. Dans ce cas, rassemblez l'équipage. Qu'Akerus se mette en route, conclut Maugrain d'une voix forte. Chevauchons jusqu'au Norfandre. Chevauchons jusqu'à la couronne de glace. Ensemble, chevauchons une dernière fois. L'Alliance avait envahi Dazar'alor et tué le roi des Andalari avant de se replier. Les dépouilles d'innombrables guerriers, Alliance et Horde confondues, jonchaient leurs rues. Apportez-moi les corps de ceux qui sont morts avec honneur, avait ordonné le roi Lich. Et ils avaient obéi, avec beaucoup de soin. Zandalar était un territoire de la Horde, aussi Nazgrim avait-il pris la tête des opérations et recueilli les histoires des héros sacrifiés pour sélectionner les candidats. Ils avaient fait leur possible pour dissimuler leurs activités au Loa des Tombes qui résidaient sur le continent, car la divinité n'aurait guère apprécié de les voir braconner sur ses terres. Mais Nazgrim doutait d'être parvenu à échapper à sa sombre vigilance. Il s'était ensuite rendu en Kul Tiras, puis à Sombrivage,
sur tous les grands champs de bataille qu'ils avaient pu trouver. Certains des combattants qu'ils avaient sélectionnés étaient morts en affrontant les monstruosités des profondeurs, d'autres en défendant leur foyer. Les serviteurs du roi Lich avaient soudoyé les fossoyeurs censés les enterrer, ou s'étaient simplement emparés des corps dans leurs sépultures laissées sans surveillance. C'était une sinistre et troublante besogne qui avait poussé Nazgrim à défier la volonté de Bolvar. Les morts devraient reposer sur les terres qui les ont vus naître, parmi les esprits de leurs ancêtres, avait grondé l'orque. Mais le roi Lich était demeuré imperturbable. « Je l'ai fait mien pour que nul autre ne le puisse. »« Nul autre ?» Nazgrim avait interrogé Mograine à ce sujet, mais le généralissime lui-même n'était pas certain de comprendre. Bolvar se méfie de Sylvanas Courcevent, avait spéculé leur chef. Il n'a aucune confiance en ses intentions. L'idée de s'opposer à la reine Banshee n'avait pas perturbé Nazgrim outre mesure. Après tout, Sylvanas avait participé à sa chute et elle n'avait jamais été son chef de guerre. Ils avaient rapporté les corps à la couronne de glace afin de les entreposer avec soin dans les chambres gelées sous la citadelle, où les froids les empêcheraient de se décomposer. Quand Sylvanas Courcevent avait brusquement renoncé au commandement de la Horde, le roi Lich avait alors entrepris de les relever à la non-mort. L'une après l'autre, les dépouilles s'étaient agitées de soubresauts, puis de frissons, pour finalement s'éveiller à une nouvelle existence de douleur, de tourment et de puissance. Le roi Lich avait accueilli ses chevaliers de la mort avec une simple mission. Le pouvoir de la mort grandit. Relevez-vous et devenez mes champions. Nazgrim s'était attendu à passer des années à les entraîner à maîtriser leurs nouvelles capacités, mais leur souverain les avait presque aussitôt renvoyés sur leur terre natale, où ses recrues seraient contraintes de trouver leur place dans un monde qui les craignait et les méprisait. Nazgrim ne pouvait concevoir d'envoyer des novices à la guerre sans même essayer de leur enseigner les rudiments de la survie. Un jour, il avait entendu Mograine s'en ouvrir vertement à Bolvar. Mais Martha s'entraînait ses nouveaux esclaves, avait déclaré le chef des cavaliers. « Je ne suis pas Arthas », avait rétorqué Bolvar. « Ce ne sont pas mes esclaves. » « Précisément, » avait renchéri Mograine. « Nous sommes maudits. Chaque journée de plus n'est qu'une longue agonie. Notre unique réconfort est de pouvoir infliger douleur et mort aux vivants. Si Arthas ne les avait pas tenus d'une poigne de fer, la plupart d'entre eux auraient sombré dans une folie meurtrière. Certaines de ces âmes se laisseront briser par notre monde et pourraient blesser des innocents avant d'être abattus. Un risque nécessaire. » avait froidement répondu Bolvar. Les semaines s'étaient écoulées, porteuses d'une nouvelle source d'inquiétude pour Nazgrim. L'orque avait l'impression grandissante que le fléau affluait vers la citadelle de la couronne de glace. Les chevaliers de la mort étaient tenus à l'écart, tandis que les rangs de morts-vivants autour de la couronne de glace ne cessaient de grossir. Nazgrim avait d'abord repéré quelques éléments isolés dissimulés dans des congères ou sous des couches de poudreuse. Mais bien vite, il s'était retrouvé à secouer le moindre tas de neige, parfois en vain, parfois tombant sur des hordes entières de morts-vivants camouflés. Et il s'agissait toujours de serviteurs décérébrés, des créatures qui ne feraient ce genre de choses que si on le leur ordonnait. Lorsque Nazgrim avait interrogé Bolvar à ce sujet, le roi Lich s'était contenté de répondre « Cela ne vous concerne pas. » L'orque s'en était aussitôt ouvert aux autres cavaliers, qui avaient partagé son inquiétude. Pourquoi Bolvar rassemblait-il secrètement le fléau à la couronne de glace, tout en se débarrassant de tous les morts-vivants qui auraient pu questionner ses ordres ? Aquerus, fin délicieux.
les îles brisées déjà loin dans son sillage, et naviguait à présent au milieu des étoiles et des nuages, au-dessus d'une mer qui scintillait doucement au clair de lune. C'était la première fois depuis des années qu'il déplaçait la forteresse volante. Nazgrim, qui aboyait ses ordres à l'équipage mort-vivant dans les niveaux supérieurs, songeait aux châles d'oreilles de Suramar. Qu'avait-il pensé en les voyant si brusquement quitter leurs cieux? Les éclaireurs de Haut-Roc envoyaient-ils, en ce moment même, des rapports à Orgrimmar pour les prévenir que la lame d'ébène était en mouvement? Comment la horde réagirait-elle? S'ils sont futés, ils renforceront leur défense et se prépareront à une invasion, raisonna Nazgrim. Si Akerus flottait à pleine vitesse en direction de la couronne de glace, cela ne pouvait signifier qu'une chose, de gros problèmes à l'horizon. Thrall, le conseil de la Horde ou qui que puisse être le nouveau chef de guerre, devait le savoir. Au cours du conflit contre la Légion, Nazgrim avait mis un point d'honneur à se couper de toute rumeur concernant la Horde. Pas parce que le sort de son ancien foyer lui était devenu indifférent, mais car il craignait au contraire de se montrer trop curieux. L'orque était mort en défendant un tyran. Quand il était revenu en tant que chevalier de la mort, il avait appris ce qui était arrivé après sa chute. La Horde de Fer, le retour de la Légion, toutes des conséquences de l'arrogance de Hurlanfer et de la loyauté de Nazgrim. Le général était mort avec honneur, il était mort pour la Horde. Pourtant, les répercussions de ses choix le rongeaient toujours. Il s'était efforcé de ne plus y songer. Pendant la quatrième guerre, Nazgrim avait parcouru les territoires de la Horde à la recherche de recrues adéquates, mais n'avait pu rester impassible face aux difficultés que traversait son ancienne faction. Il avait vu son peuple renverser un nouveau tyran, sans être autorisé à s'en mêler. Cela lui avait paru étrange, de réaliser qu'il voulait intervenir, ne serait-ce qu'un peu. Le regard de Nazgrim s'arrêta sur une forgerune sombre et silencieuse qui, à la veille d'une bataille, aurait dû crépiter d'une flamme corruptrice aux éclats d'améthyste. Trois serviteurs du fléau se tenaient immobiles non loin, la tête basse. Nazgrim rentra le menton pour préparer son ancienne voix, sa voix de général. « Mettez-vous au travail !» rugit-il. « Si ma lame se brise au combat, suis-je censé attendre pendant des heures que vous raviviez les feux et relanciez la forge? Si je vous surprends encore à bâiller aux corneilles ?» Mais la voix de Nazgrim s'éteignit. Les trois serviteurs étaient déjà à l'œuvre, fouettés par sa simple volonté, plus que par ses mots. Les flammes violettes prirent aussitôt vie dans la fournaise de la forge rune. L'orque gaspillait sa salive. Aboyer des ordres à quelqu'un qui ne peut pas désobéir n'a vraiment rien d'amusant, songea-t-il. Il se détourna. Après tout, il avait d'autres chats à fouetter. Lorsque Nazgrim gagna les niveaux inférieurs d'Akerus, il trouva Thoras Trollmore en train de l'attendre. « Mes hommages, monseigneur !» chantonna l'orque, en pliant le genou dans une imitation moqueuse de cette étrange coutume humaine qu'ils appelaient la révérence. « Zog Zog, général !» répondit l'ancien roi avec un soupir las, comme s'il participait à leur récurrente plaisanterie par simple obligation. « Maugrain m'a demandé de vous trouver. » D'après lui, aucun d'entre nous ne devrait rester seul jusqu'au début de la bataille. Pourquoi? Au cas où Bolvar tenterait de nous arrêter. Nous pourrions alors avoir besoin de nous entraider. Au cas où la présence du roi Lich écraserait leur conscience comme un scorpion sous une botte et les transformerait en marionnettes, comprit l'orque. Il grogna. Leur seul échappatoire serait probablement de s'entretuer avant de perdre le contrôle. Nazgrim avait affronté et vaincu des bataillons entiers du fléau en Orfandre,
et n'oublierai jamais leur regard vide. Je préfère mourir une seconde fois plutôt que de devenir un esclave comme eux, songea-t-il. Vous pensez qu'il le fera ? Il n'a pas encore essayé, répondit calmement Trollmort. Et peut-être ne le fera-t-il pas. À moins que nous ne soyons pas suffisamment proches de la couronne de glace. Mais si Bolvar s'en prend à nous et que vous êtes toujours en mesure de manier votre hache, tranchez-moi la tête, voulez-vous ? Plantez-moi d'abord votre épée dans le buffet, et nous aurons un accord. Nazgrim saisit l'avant-bras de son compagnon et le serra d'un geste fraternel. Trollmort le lui rendit. Apparemment, c'était une marque d'amitié courante parmi les soldats de Stromgard. L'ancien roi humain et le général orc étaient effectivement devenus des amis, même s'il leur avait fallu un peu de temps pour surmonter les vieilles rancœurs de leurs existences passées. Nazgrim avait vécu dans des camps d'internement tenus par des humains, et Trollmort avait délibérément ordonné que tous les orques de ces camps soient exécutés. Mais Trollmort n'avait pas rechigné à admettre son erreur. Pour Nazgrim, ce devait être un de ses traits de caractère qui avait fait de lui un roi si populaire pendant son règne. Ils déambulèrent côte à côte dans le fort d'Ébène, s'assurant que les membres de leur équipage menaient à bien les multiples tâches qui maintenaient l'altitude et la vitesse de la forteresse. Finalement, Nazgrim posa la question qui lui avait trotté dans la tête toute la nuit. « Si nous sommes contraints de tuer Bolvar, qui portera le home à sa place ?»« Je l'ignore, » admit Trollmort. « Ce n'est pas une couronne que je convoite. » « Et si vous étiez le dernier d'entre nous encore debout ?» insista l'orc. « C'est peu probable, » rétorqua l'ancien roi. « Mais si c'était le cas, que feriez-vous ? » Trollmort se figea et tourna vers Nazgrim un regard dur. « Tout ce qu'il faudra pour protéger Azeroth. Concentrez-vous d'abord sur la victoire, orc. Je doute que la plupart d'entre nous survivent. » Nazgrim haussa les épaules. Je pense que Bolvar avait tout loisir de tuer Maugrain à la couronne de glace, mais qu'il ne l'a pas fait, confia-t-il. Peut-être qu'une part de lui souhaite que nous mettions un terme à son existence. Peut-être qu'il ne s'y opposera pas. C'est possible, reconnut Trollmort sans quitter Nazgrim du regard. Mais le dernier roi Lich n'a-t-il pas délibérément attiré les meilleurs combattants du monde jusqu'à son trône ? Un piège auquel ils n'ont échappé que de justesse. Un gouffre d'incertitude s'ouvrit dans l'âme de Nazgrim. Il n'avait pas envisagé les choses sous cet angle. Est-ce pour cela que Bolvar a permis à Maugrain de rentrer ? Pour nous attirer tous les quatre au trône de glace, où son pouvoir est le plus grand ? Et anéantir notre libre arbitre une bonne fois pour toutes. Non, finit-il par céder. Ça ne peut pas être l'intention de Bolvar, argua Nazgrim. Vous semblez bien certain. Je le suis, affirma Nazgrim. J'ai vu ses plans de bataille pour le Norfandre. Il est suffisamment intelligent pour ne pas utiliser deux fois la même tactique. En particulier si elle a échoué la première fois. Trollmort réfléchit un instant pour acquiescer. En effet, mais tout ce que cela démontre, c'est que nous ne sommes pas prêts pour ce qu'il manigance. L'humain avait raison. Nazgrim sentit son incertitude l'accabler, le sentiment le plus proche de la peur qu'il puisse connaître dans la non-mort. À l'instant même où Maugrain leur avait annoncé sa décision, Nazgrim avait compris que le roi Lich ne tarderait sans doute pas à les détruire tous les quatre. Mais peu importait. Il était déjà mort au combat une fois. Il y a des choses bien pires, songea-t-il. Le néant était préférable à l'esclavage. C'était l'inconnu qui lui tordait les entrailles.
Deux armées déterminées s'étaient attaquées au dernier roi Lich avant d'être pratiquement balayées. Quel espoir demeurait-il pour quatre combattants? Mogren leur avait confirmé qu'ils étaient vulnérables à l'influence du Home. S'ils échouaient, les forces de l'Alliance et de la Horde, déchirées par leur dernière guerre, parviendraient-elles à déterminer ce qu'ils auraient commencé? Mystère. Incertitude. Nazgrim nourrissait toujours l'espoir insensé que Bolvar n'était pas leur ennemi, et cela l'inquiétait. Peut-être n'était-il plus capable de réfléchir intelligemment, mais il refusait de suggérer qu'il fasse machine arrière. Affronter le roi Lich répondrait à leurs questions, d'une façon ou d'une autre. Aurez-vous la moindre hésitation à le tuer ? Sans qui Nazgrim ? J'ai juré de défendre Azeroth, pas Bolvar, répliqua simplement Trollmor. L'orque poursuivit sa patrouille et le roi humain le suivit d'un pas tranquille. Lorsqu'ils atteignirent l'un des balcons d'Akerus, ils distinguèrent une masse nuageuse qui obscurcissait le ciel au nord-ouest. La couronne de glace se trouvait dans cette direction, loin au-delà de l'horizon. Nazgrim pouvait le sentir. Il aurait pu la pointer du doigt avec un bandeau sur les yeux. Figé et immuable, la citadelle étendait son influence telle la lueur d'un phare invisible. Nazgrim n'avait pas perçu la moindre réaction de la présence depuis le retour de Mograin. C'était comme si le roi Lich les avait complètement exclus. Pourtant, elle était toujours là, dans l'attente. Il doit savoir que nous arrivons, fit remarquer Nazgrim. En effet, vous avez parlé avec lui plus souvent que moi, reprit l'orque. Bolvar est-il réellement perdu? Reste-t-il une chance de le sauver? Trollmor demeura silencieux un moment, et Nazgrim le laissa réfléchir à la question. Finalement, le roi humain lui répondit « C'est un souverain esclave d'un terrible devoir. Je pense qu'il a l'intention de porter ce fardeau seul jusqu'au jour où il s'écroulera sous son poids. » Thoros Trollmor se tenait seul face au trône de glace. Au-dessus de lui, au sommet de la plus haute flèche de la couronne de glace, une paire d'yeux flamboyants étincelait à travers les fentes du home de domination et de sa prison de glace. La voix du roi Lich, aussi sombre que les profondeurs inexplorées, s'adressa à Trollmor par sa présence. C'était la première fois depuis des semaines. Allez-vous-en, Trollmor. Je n'ai pas besoin de vos conseils aujourd'hui. Peut-être pas, répondit Trollmor d'une voix forte, en montant malgré tout les marches. Mais je souhaite néanmoins m'entretenir avec vous. À chaque pas le rapprochant du trône, Trollmor pouvait sentir la colère de Bolvar enflée. Elle palpitait à travers sa présence comme une plaie ouverte, telle une mise en garde. Thoras n'avait pas connu Bolvar Fordragon de son vivant. En tant que roi de Stromgard, il avait entendu parler du garçon des Fordragons qui avait impressionné ses mentors paladins par sa détermination et son esprit chevaleresque. Peut-être avait-il assisté à quelques réceptions de la noblesse ensemble, mais il ne s'était jamais adressé la parole. Tout ce qu'il savait de Bolvar, c'était ce qu'il avait pu constater depuis qu'on l'avait relevé à la non-mort. Fordragon était un homme dévoué, stoïque et loyal. Sans doute avait-il fait partie des meilleurs paladins de son époque. Désormais joli et dédamné, il refusait opiniâtrement de s'épandre sur ses tourments. Il s'obstinait, envers et contre tout, à porter seul son fardeau.
Trollmor s'arrêta à quelques marches avant d'atteindre le sommet de la flèche. Il ne voulait pas risquer d'aller trop loin et de dominer le trône de Bolvar. La chrysalide de glace voilait les yeux du roi Lich et ses terribles cicatrices incandescentes, auréolant la scène d'une lueur mystique. Thoras se demanda soudain si la glace sur sa peau apaisait le feu draconique dans ses veines, ou ne rendait la douleur que plus insupportable. Bolvar, dit Trollmor, nous ne sommes pas vos serviteurs. Il est temps que vous cessiez de nous traiter comme tels. Un éclat orangé sous la glace fit écho à une onde d'agacement émanant de la présence de Bolvar. Ainsi, Maugrain vous a envoyé. Non. Mais il n'a fait aucun mystère de votre détachement. Je n'ai pas de compte à lui rendre, répliqua la voix. Froide, implacable. Pas plus qu'à vous. Vous avez eu suffisamment confiance en nous pour nous relever à la non-mort, pour faire de nous vos cavaliers, rétorqua l'ancien roi. Cette confiance doit aller dans les deux sens. Or, vous complotez de votre côté. Et pourquoi devrais-je me confier à vous ? L'interrogea Bolvar, envahi par la colère. Trollmor ouvrit les mains d'un geste qu'il voulait apaisant. Vous rassemblez une armée, ici. Nous avons tous pu constater que vous déplaciez les pièces de l'échiquier dans un but précis, mais nous ne parvenons pas à le discerner. Partagez vos intentions avec nous, et nous vous aiderons. Vous mourriez, et cela ne me serait d'aucune aide. Bolvar s'exprimait maintenant avec l'impatience d'un père frustré par son enfant. Cela faisait très, très longtemps que Trollmor n'avait plus connu ce sentiment. Si vous envoyez des soldats démunis au combat, alors oui, ils risquent la mort, confirma Trollmor. Et vos cavaliers sont éminemment démunis. Qu'est-ce qui a changé? Quelle force vous contraint à nous tenir à l'écart? Sylvanas Courcevent. Thoras Trollmor hésita. Courcevent? Le roi Lich la surveillait de près depuis le début de la quatrième guerre. Il avait même demandé à ses quatre cavaliers de lui rapporter la moindre bribe de rumeur quant à ses agissements, tout en leur interdisant formellement de la traquer eux-mêmes. Mais Bolvar leur avait également confié que Sylvanas n'avait jamais témoigné plus que du mépris pour le Home. Qu'a-t-elle à voir dans cette histoire ? Sa guerre a perturbé l'équilibre entre la vie et la mort. La mort festoie. « Et le pouvoir du Home est en ébullition, » répondit Bolvar. « Je n'ai jamais rien senti de tel, même lorsque la Légion a transformé notre monde en un charnier brûlant. » Trollmor ne comprenait toujours pas ce qui préoccupait tant Bolvar. Quoi que Sylvanas ait tenté de faire, elle a échoué. L'ancien roi sentit aussitôt la colère de Bolvar s'embraser, mais il eut l'étrange impression que le roi Lich était surtout furieux contre lui-même. « Trouvez-vous qu'elle se comporte comme quelqu'un qui a échoué ?» Une nappe de nuages noirs occultait l'aube, mais son éclat terni suffisait à révéler les falaises et les ruines délabrées de la côte de la Désolation des Dragons, qui se dessinait à l'horizon. Il faudrait encore plusieurs heures avant qu'il n'aperçoive les flèches de la citadelle de la couronne de glace.